tribu de Quraysh. Elle s'est divisée en deux grands clans, qui sont les cousins les uns des autres. D'une part, le clan des Beni Hachem. D'autre part, les Beni Abd Manaf, qui deviendront les Beni Umayya. Les Beni Hachem, clan auquel appartient l'enfant Mahomet, n'ont hérité de leur ancêtre Qusay que la garde de la maison interdite, la Kaaba, alors que leur cousin les Beni Omeya avaient reçu le pouvoir politique et la fortune. Mahomet vécut jusqu'à l'âge de 5 ans à Yathrib, future Médine, le pays de sa mère. En perdant coup sur coup celle-ci, puis son grand-père paternel, il est ramené à la Mecque et confié à son oncle, Abu Talib, dernier de la maison des Hachem, qui le chargera plus tard de s'occuper du seul bien de la famille, un petit troupeau de moutons et de chèvres. La vision musulmane de la période pré-islamique est celle d'une période pendant laquelle le culte monothéiste, l'adoration d'un seul Dieu, ne faisait pas partie de l'univers mental des gens. Les divinités étaient liées à des lieux, des tribus, des clans. On implorait l'intercession de Dieu et des divinités pour le bien-être d'individus, de tribus ou de clans. Les tribus sédentaires ont pu, avec le temps, construire des bâtisses et des temples pour leurs dieux. Et comme les Arabes bédouins ne connaissent que la tente et ne connaissent rien aux techniques de construction, ils ont choisi pour leur lieu de culte la forme architecturale la plus simple, le cube. La Kaaba était un grand édifice dans lequel il y avait des idoles. Ce n'était rien d'autre qu'une grande bâtisse immense où il y avait des idoles vénérées par ceux-là même qui les avaient façonnées. Il y avait un grand nombre de Kaaba. Les adorateurs de chaque Kaaba croyaient que leur dieu y demeurait. C'était la demeure de tel ou tel dieu, la demeure de Koduste, la demeure de Raman, la demeure de Gaba, elles étaient devenues les demeures des dieux. L'importance historique de la Mecque est très tardive. On peut la faire démarrer au IIIe siècle, quand un chef, Amr ibn Lujay, selon la tradition, a ramené quelques statues d'un voyage en Cisjordanie ou sur la côte de Gaza et a agrandi le sanctuaire qui devient un sanctuaire, disons, païen, syncrétique. Se convierte en un santuario, digamos, en fin, pagano, syncrétique, non? La Mecque a accueilli dans sa Kaaba les dieux des autres Kaaba qui avaient disparu. Elle a accueilli les dieux des autres tribus. Apportez vos dieux chez nous, puisque vous venez pour votre commerce chez nous.
Vous restez ici 4 mois, vous vendez, vous achetez, vous vous amusez, vous prenez du bon temps, vous vous enivrez. Amenez donc vos dieux chez nous. La Mecque a ainsi accueilli les dieux de la péninsule tout entière. Dans la péninsule arabique, avant l'islam, il y avait une triade, trois divinités féminines, Allat, Oza et Manat. Ces trois déesses évoquent pour nous les triades qu'on trouvait dans les mythologies de la Méditerranée, en particulier les trois parcs, qui étaient les trois déesses qui symbolisaient les trois étapes de la vie, la naissance, mariage et mort. Allat est la divinité. Elle représente la divinité féminine. Oza veut dire la puissante, et Manat vient de la racine du mot mort. Manat est principalement la représentation de la mort. C'était une déesse noire. Elle avait une pierre noire. Son domaine, c'est la nuit, la mort. Nous disposons également d'éléments qui laissent supposer l'existence de représentations de figures chrétiennes faisant partie de l'iconographie de la Kaaba. Mais tout cela est encore un sujet de débat entre érudits. Mais nous avons quelques textes de la Mésopotamie, surtout de vieux textes assyriens et babyloniens, qui parlent d'un dieu de la péninsule arabique dont le nom est Allah. Le métier de berger ne sied pas à un descendant de l'aristocratie mécoise, serait-elle dans le dénuement. Mahomet apprendra donc la noble profession de ses ancêtres, le commerce. Il sera du voyage lors des deux périples annuels, celui d'hiver et celui d'été, en compagnie de son oncle Abu Talib, qui a peu à transporter. À défaut de s'enrichir, Mahomet saura l'art du négoce, apprendra à décoder les traces sur les sols et les marques sur les visages. كنا رايحين وصلوا على بصرة الشام لقوا عابد من عباد الله عابد نصراني اسمه الراهب بحيرة نزلوا عنده كلياتون بير الرسول صلى الله عليه وسلم بارك على الجمل برا ولا قال لهم مين بقي برا وقالوا له بقي طفل صغير وقال لهم بعتوه ولا بعتوه لعنده صار تفحصه ولا لقى بين كتفيه خاتم النبوة بعدين قال له لعمه رجعوا على على مكة أحسن ما يقتلوا اليهود لأن هذا من راح لهنيك وحسوا عليه مشان لأني ما ينسخ دين اليهود كله النبي محمد صلى الله عليه وسلم Le prophète Mahomet, Dieu le bénisse et lui accorde le salut, était en contact avec la culture juive dans la péninsule arabique, en contact également avec la culture perse, avec la religion de Zoroastre, avec les croyances de Mani, et aussi en contact avec la culture hellénistique, avec ses divers courants gnostiques. Quand on examine les documents coraniques et qu'on étudie les derniers développements de ces documents, il est évident que nombre des récits liés aux Juifs et aux chrétiens, ainsi que des écrits bibliques, devaient circuler dans cette région. Naturellement, il s'agit du christianisme de la région, qui n'était pas vraiment le christianisme orthodoxe ou le christianisme impérial, mais le christianisme hétérodoxe des monophysites nestoriens. Puisque très souvent, les histoires dans le Coran sont très éloignées.